Salut les amis, Néo de Mars de 743. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo exceptionnelle. Rien à voir. Aujourd'hui, nous ne ferons pas de débriefing sur l'Olympique de Marseille. Il y a eu la trêve. Voilà, donc on attendra. On parlera de ça, de l'OM et du foot, des foot, des critiques et tout, dans une prochaine vidéo. Là, aujourd'hui, c'est une vidéo exceptionnelle. FIFA 20, le jeu FIFA 20, le jeu qui met le plus FIFA, de toute façon, qui met tout le temps la rage, FIFA 20. Nous pensons que ce jeu allait être amélioré. Oui, ça, au niveau, on ne va pas mentir, ça a été amélioré. Le jeu est un peu pareil, mais voilà. Le problème, c'est que c'est toujours la merde. L'année dernière, c'est les arbitres, ils se mettaient au milieu, l'arbitre, il se mettait de long au milieu. On ne savait pas pourquoi, il était au milieu, te contrait ton ballon, tu ne sais même pas pourquoi, il ne savait même pas se placer. Dans un jeu, c'est incroyable. Ensuite, dans le 19, c'était les corners inventés. À chaque fois que les joueurs faisaient un corner, ils tiraient un corner, ils retiraient un corner, c'était inventé. Ou le joueur, il tirait à côté, soi-disant tu l'avais dévié, ou soit au contraire. Des fois, c'est vrai, c'était à ton avantage. Des fois, tu tirais, il n'y avait pas corner. On dirait que pour toi, il n'y avait pas corner, réservé un corner. Bon, bref, FIFA 19, déjà, c'était de la merde pour ça. Il y avait beaucoup de défauts. Et ensuite, le jeu, tout allait trop vite, les constructions et tout. Donc, ça avantageait beaucoup de gens qui ont l'habitude de jouer comme ça. Comme d'habitude, FIFA, c'est un jeu qui avantage certaines personnes. Mais les autres, ils n'en ont rien à foutre. Voilà, il avantagera toujours ceux qui banquent pour ce jeu de merde, qui se font avoir, les petites merguez qui dépensent leurs sous pour ça. Franchement, vous êtes bêtes, vous comprenez pas, ils vous mettent à l'amende, ils nous mettent à l'amende tous, hein. Nous, on achète leurs jeux parce que je fais partie un peu de ces gens, sauf que moi, j'investis pas dans les points FIFA de merde, j'investis pas mes sous. Moi, j'essaie de chaque année de les niquer en revendant l'autre jeu, et voilà, j'ai gagné encore 25 euros sur l'édition champion. Voilà, moi je les paye au prix du normal et je les ai eu 4 jours avant. Mais bon, bref, je le regrette. Je pense que vraiment, cette fois-ci, ça va être le dernier FIFA que j'achète parce que je commence à en avoir marre. Ça me fait rager et rager pour rien parce que franchement, c'est qu'un jeu et c'est de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais bon, bref, voilà, c'est rare que je fais des vidéos et tout. Ben, vous voyez, j'ai pas besoin de faire des vidéos parce que les autres, ils les font à ma place et tout. Et ils font des meilleures, beaucoup meilleures vidéos. Ça, je dis pas le contraire. Par contre, ils font beaucoup des vidéos de merde. Comment gagner facilement, légende, comment facilement gagner. Mais les gars, vous jouez sur Xbox. Xbox, alors je sais pas, mais la vie de ma mère, je vois pas beaucoup de vidéos de PS4. Je vois que des vidéos d'Xbox. Il y a que vous gavez, vous pleurez parce que vous perdez un ou deux matchs sur 50, frère. Mais cassez-vous de là. Je venais sur, vous allez voir, la vie de ma mère, vous êtes beaucoup à chanter. Mais j'aimerais bien un de vous, s'il arrive à vous voir ma vidéo, s'il y en a un de vous qui est capable, hein, qui est capable de faire pareil sur PS4. Ben non, je crois pas. Non, 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 parce que regardez, même toi, Rocky, si tu m'entends, nana, hein, Zermatt, voilà, ben bon, encore toi, ça va, tu n'es pas nana, tu n'es pas un mec comme les autres là qui fait tes vidéos, toi, tu fais tes trucs et tout, tu es un très bon joueur de FIFA, tu es un des meilleurs, je ne te dis pas le contraire, c'est la vérité, voilà, ben bon, tu es jeune, pourquoi pas, à moi, tu es un gamin, c'est tout à fait normal, moi, j'ai pas mon temps, nana, FIFA, c'était moi, s'il fallait que je sois bon à FIFA, c'est FIFA 96, moi, je suis plus du Bruce Banek et nana, plus de cette génération-là, quoi, ils sont deux ma génération, on va dire, où on a à peu près le même. Mais bon, bref, voilà, là, c'est, vous avez vu plein de vidéos déjà qui sont sorties, des joueurs qui se rendent dedans tout seul, le joueur qui rate son contrôle, frère, et pas des moindres des joueurs, hein, hein. Et comme je dis, la PS4 et la Xbox, on va dire, ça fait bizarre de dire la Xbox facile, je trouve. Hein, je vois que tout le temps, tout le monde pack. Le Robert qui arrête pas de packer, frère, il a mon âge, le mec. Il pack des, il a 40 ans, frère, il a à peu près mon âge, frère. J'ai pas encore 40, mais pas loin. Et frère, et que il pack des icônes, le mec. Il fait rien de spécial, et nani, nana. Bon, de spécial, il fait rien de spécial. Il a que du cul. Vous avez tous du cul sur Xbox. Vous packez que des gros joueurs. Sur PS4, il y a que de la merde. Que de la merde. Donc FIFA, c'est de la grosse merde. Bon, bref, voilà, FIFA, c'est de la grosse merde. C'est une grosse pute, une grosse salope. À chaque fois, tu estanques les gens. Tu es plein d'inventions. Hein, sur PS4, vous montez les trucs. Ben, croyez-moi que sur PS4, vous avez beau faire toutes les combinaisons que vous avez dit. Je ne suis pas bon à FIFA. Je ne suis pas le meilleur. Je suis loin de là. Je suis loin d'être un monstre. Je ne suis pas mauvais, par contre. Je ne suis pas mauvais. Voilà. Hein. Le problème, c'est que moi, j'ai vu, je joue avec les flèches. Je ne joue pas avec les analogiques. J'arrive pas à jouer avec les analogiques. C'est la misère pour moi. J'arrive pas. Je joue avec les flèches. Donc, en plus, j'ai le dos, il est fracassé. Hein. Il est fracassé, le doigt. À chaque fois, j'ai mal et tout. Voilà. Et du coup, ça me rend fou. Bon, bref. Il y en a plein qui risquent de me dire, eh ben, ne joue plus, ne joue plus. Mais bon, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Les autres, frère.
et les autres aussi jouent plus. Bon, bref, les gars, en tout cas, faut critiquer ce jeu à mort et faut faire comprendre, à leur faire comprendre que maintenant, faut qu'ils arrêtent les conneries et que ça sort sur Xbox ou sur PS4, il n'y a pas des avantages. Alors, je veux dire, sur PS4, il y a plus de joueurs, plus de ventes apparemment, et plus de chances apparemment pour avoir trouvé les trucs, les joueurs pas chers pour les SBC. Ça, je crois pas trop que c'est vrai. Hein? Voilà. Et par contre, sur Xbox, c'est plus facile, je pense, à jouer que sur PS4. J'ai pas essayé parce que j'ai pas envie de m'acheter une Xbox. J'ai pas de collègue qui peut me faire jouer sur Xbox qu'à FIFA 20. Sinon, j'essayerai. Si j'ai l'occasion, je le ferai. Mais moi, je vous conseille, tous ceux qui n'ont pas essayé la PS4, essayez la PS4. Faites-vous et essayez le top 100. Essayez le top 100 dans la PS4. En faisant vos vidéos, ceux qui se reconnaîtront qu'ils en font des vidéos de tactique, comment bien gagner à les gens, nanana, le 4-4-2, personne ne l'apprend. Moi, j'ai toujours joué en 4-4-2. Voilà, et après, vous êtes plein de techniques, plein de ci, plein de là. Et après, ouais, vous pouvez dire, mais tu n'es pas bon, tu n'es pas bon. Ouais, c'est possible, mais il ne faut pas trop m'y tourner. Il faut voir mes matchs pour dire que je ne suis pas bon. Tant que tu n'as pas vu mes matchs, tu ne peux pas dire que je ne suis pas bon. Il n'y a que moi qui peux te le dire. Et je peux te dire que sur certains matchs, ça a arraché. J'en ai fait la vite fait, 56 de colis, 56 de notes. 14 de collectif, frère, j'ai gagné à peine 3-0. Et frère, ils ont eu des occasions et tout. Tellement dans la vidéo, j'insulte le FIFA, les morts et tout. Et je m'en bats les couilles, ils sont contents ou pas. Rien à foutre. Voilà. Sur ce, ben les amis, voilà, c'était juste pour ça. La vidéo, j'espère que vous la trouverez pas trop longue, mais il faut expliquer quand même. Et voilà. En tout cas, ben pour ce, n'hésitez pas à mettre des commentaires, si ça, tout ce que vous voulez, tout, me dire ce que vous en pensez, ce que vous, si j'ai tort ou si j'ai pas tort, sur quoi j'ai tort, sur quoi j'ai pas tort. Moi, je m'en bats les couilles. Je suis pas là, j'aime pas ce jeu, je vais pas m'emboucaner avec celui. Mais après, il y en a qui s'abusent un peu trop, qui disent ouais, mais t'es pas bon, tu sais pas jouer, c'est tout. Voilà, ne cherche pas à comprendre, là. Alors qu'ils t'ont jamais vu jouer, que tant ils sont moins bons que toi. En plus, c'est ça le pire. Bon, bref, les amis, big dédicace à vous, à tous ceux qui sont abonnés, les nouveaux et tout, big dédicace à vous et merci beaucoup. Merci à Raph et aux abonnés de Raph qui sont là. Merci à lui et j'espère que je vous fais plaisir dans mes vidéos. Et on se retrouve pour dans ce week-end, d'ici dimanche, vidéo d'avant-match, normalement 7h, 7h15. Le quart des joueurs de l'OM qui partiront direction le stade pour le match contre Strasbourg. Et après le débriefing d'après-match et intérêt de la victoire. Bon bref les amis, voilà, c'était une vidéo sur FIFA exceptionnelle. Des fois je ferai que ça, ça concernera le foot et beaucoup de critiques sur le Pigeon Saint-Germain et les Lyonnais. Bon sur ce, fuck Lyon, fuck Paris, allez l'OM, toujours présent, bit dédicace au 974 et bit dédicace à tous mes abonnés encore une fois. A plus les amis et à bientôt.